l'FA Cup. Équipe Manchester United là, gagné FA Cup là, sous Manchester City. Bon, ça, c'est pas forcément en résultat ou bien en issue que m'a dit tout le monde d'Apton. Mais c'est ça, et United bat avec Garnacho et Meinou qui marquaient pour l'équipe Manchester United là. Ils ont mené 2-0 sur Manchester City. Et puis, bon, City vient réduire l'école en net par Doku. Et 87e minute, c'est un match pratiquement fini. United donc fait un shock victory, une victoire choquante sous l'équipe Manchester City. Hein? United remporté la FA Cup. C'est un gros victoire pour eux, pas de mentir dans ça. Et Ten Hag, en pile nouvelle de la presse, t'as circulé comme quoi et United de Pape Kembe Miché. Bon, peut-être qu'il y a still Kembe décision ça pour pas Kembe Miché. Mais M. Kadi lui-même, il finit plutôt son bonne note parce que là, il a remporté la Coupe d'Angleterre, qui c'est quand même un titre majeur, un peu plus en Angleterre que dans l'autre championnat. La Coupe, moi je veux dire. Bon, bah, ça, l'obgard des premiers goals, équipe et Manchester United fait, son bar était chargé net, gros mésentente ça qui gagnait entre goalkeeper Manchester City. Ya. Et arrière équipe City a coup de tête ou lobé. Ah. Bon, c'était un désordre qui était profité à l'équipe Manchester United là, qui menait 1-0, qui ensuite fait 2-0 à Jean Todd Diltaloya avec Meinou qui font un bon goal sous 2-0 à 39e minute. Et puis City réduit contre état. Évidemment, ça n'a pas gagné aucune conséquence sur le résultat final match là. Le derby de Manchester, mais il virait un avantage Manchester United. Et goal 2-0, je me suis dit goal ça fait là parce que tu as gagné en pile 100 fois sous goal là, particulièrement sous considéré Jean passeur décisif là lui-même, Bruno Fernandes, connecté à Kobbie Mainoo. Monsieur Bienfell. Monsieur pas, t'as comme d'habitude posé tête li et question le parcours et shoot et tout. Lui préférait bailler et Mainoo ballon hein, et qui lui-même mettait boule dans la filaire. Donc voilà, c'est Manchester United qui était gagné dernier mois matin hein, dans la finale. Ça, ils ont remporté la Coupe d'Angleterre de football. Et Manchester City qui était visé en quadruplé à un mois de la durée pendant la saison 1. Hein, bon, ils ont finalement gagné la Premier League en haut la main. La semaine dernière, ils ont fêté une belle victoire dans la Premier League là. 4 titres affilés, mais ils ont malheureusement pas arrivé à boucler la saison avec un autre titre domestique. Voilà la situation du côté de l'Angleterre. Championnat fini, bon, saison en tout, arrivé dans le bout de